Madame Adam de rue de la Fontenelle à Chigny. Alexandre Marcel de Chigny. Bon, je m'appelle Alice Pérard. J'habite à Chigny et je m'occupe de la chapelle ici. Je m'appelle Amaury Adam. Je suis Van Impe Anita. Bon, je m'appelle Madame Delora Stride. Je m'appelle Axel Goffinet et j'habite à Chigny depuis... Voilà, je m'appelle Christophe de Remins. J'habite Chigny maintenant depuis 7 ans. Et comme tu peux voir, c'est un joli quartier et Chigny, c'est magnifique. Je m'appelle Ernest, rue de Four à Chigny. Oui, je m'appelle Francine Protin, j'habite Chigny à la Nou, numéro 28. Et je suis aidante à la boucherie de mon mari, la maison Protin, qui vend de la viande et du gibier et des salaisons, maison, tout est fait maison. Alors, Françoise Michel, je suis née à Bruxelles, mais mes arrière-grands-parents étaient de Chigny, de cette maison aussi, et on est depuis 1759 dans la même famille, dans la même maison. Oui, je m'appelle Franck Évrard, voilà, j'habite Chigny depuis 4 ans. Je m'appelle Gabi Pierson. Je m'appelle Hubert Jasper, je suis un Liégeois qui habite exactement à Grain-Sologne. Hugues Limpac. Je m'appelle Jean-Marie Cibret. Je suis né à Villers-de-Ventorval en 1938. Et j'habite Chigny parce que je me suis marié avec une jeune fille de Chigny. Je m'appelle Jean-Paul Toussaint. J'habite 15 rue du Liry à Chigny. Ben, moi, je suis Jacques Gurens. Je suis belge. Je m'appelle Louis Goffin. Je m'appelle Louis Chapelier. Mon épouse Nadine Poulart. Et nous habitons à Chigny depuis 11 ans à peu près. Je suis retraité. Enfin, nous sommes retraités. Et nous nous plaisons très bien ici. Je m'appelle Marie Depré. Je suis née à Chigny en 1941. Je m'appelle Martine Seutin. Je m'appelle Morissette Maugard. Je m'appelle Méline Goffinet. Bonjour, je m'appelle Michel Lejeune. Moi, Monique. Pardon ? Norbert. Norbert. Nelly Thierry, je suis née à Chigny le 4 du 1 41. Moi, Claude Bertrand, je suis né à Chigny aussi, le 19 octobre 1939. Et j'ai épousé ma voisine. Nous habitions dans la même rue. Ah bien, je m'appelle Nicole Bingen. Voilà. Je viens de Bruxelles. J'ai une maison de campagne ici. Comme ce sont les vacances, je vais passer quelques jours. Je suis Odette Briel et j'habite rue de la Fontenelle, ici à Chigny. Oui, ben voilà, je me présente, je m'appelle Olivier Adam, et j'habite depuis une dizaine d'années à Chigny, originaire de d'Isel. Et voilà, je suis parti pendant quelques années de Chigny pour y revenir. Bonjour, moi c'est Pierre Rémy. Je m'appelle Paul Jacquet, j'habite à Chigny, je suis étudiant. Ben Paul Lecomte, hein, je suis ici curé à Chigny depuis 20 ans. Je m'appelle, mais il faut dire mon prénom. Mm-hmm. Ben, Madame Fethi-Raymonde. Ça va comme ça? Mm-hmm. Richard Ahmed, je suis pensionné et j'habite Chigny depuis un an. Et voilà, je m'appelle Sébastien et je suis le bourgmestre de Chigny. Oui, je m'appelle Yasmina, j'habite à Chigny depuis 10 ans. Je m'appelle Van de Voorde Yvette. Et voilà, je suis venu à Chigny, presque 2 ans, j'habite ici. Mais je connais Chigny déjà depuis mon 15 ans, quand j'avais 15 ans. Donc voilà, ce n'était pas une nouvelle, mais je suis bien à Chigny et je reste le temps possible. Je suis Yvon Onger, avec de nombreuses passions, entre autres la poterie, la peinture, l'horticulture et le jardin, plus les conférences que je donne de temps à autre. Je suis diplômé en agronomie tempérée. Et j'ai choisi Chigny à la suite du départ de ma fille avec qui je travaillais à Pain, à l'atelier Le Tournemain. Et je ne pouvais plus travailler sans elle, parce qu'on s'entendait très bien, elle avait fait les arts déco, et en fait, moi j'avais la technique, et elle avait ses idées à elle. Et puis elle a trouvé l'homme de sa vie, paraît-il, hein. Et puis elle est partie avec lui,
elle nous a abandonnés, quoi. Et alors, du coup, je n'ai plus voulu rester à Pain, où était mon atelier. Et j'ai fait le tour, je ne dirais pas de la province, mais un bon morceau pour trouver une maison. Et je suis tombé ici en arrêt devant celle-ci. Il était 11h. À 2h, il y avait la maison. Mais mon épouse ne voulait pas quitter Pain. Ah non, je ne quitte pas ma maison. Alors j'ai dit, écoute, c'est pas compliqué. On va vendre la maison ici à Pain, puis on s'installera à l'atelier, on fera des appartements, il y a tout ce qu'il faut. Ah non, pour habiter sur la grande route, moi, j'y vais pas. Alors, il y a plus de 25 ans qu'on est déjà ici. Et si vous lui demandez pour retourner à Pain, elle dira non, elle ne veut plus y retourner. Parce que c'est calme et la nature est belle. Et voilà. Et j'ai encore des amis ici depuis mon 15 ans. Par hasard. On est arrivé ici par hasard. Parce que j'aimais bien ce village. Je trouvais que c'était un village magnifique avec énormément de zones vallonnées. Donc c'était un beau compromis entre un gros village où il y a quand même un minimum d'activité et puis la nature. Mais parce que j'avais une maison de campagne depuis de longues années. Et voilà, ici il fait bien tranquille et on a décidé de rester ici à Chigny. Ben, par mon mariage, parce que je suis française, moi. Alors mon mari était Chigny. Et j'habite Chigny maintenant, depuis 65 ans. Oh, ben je ne l'ai pas choisi, on m'a demandé. Quand on est prête, on est envoyé là, on nous le dit, hein. On ne choisit pas. Ah, je n'ai pas décidé, c'est mes parents qui ont décidé d'habiter ici. Voilà. Parce que j'aime bien la région et qu'on avait l'opportunité d'y reprendre un petit magasin, et c'est ce qui nous tentait, et ma compagne connaissait bien la région. Voilà pourquoi je me suis installé ici. Ah, pourquoi ? Déjà pour une bonne chose, pour une bonne cause, déjà pour le bel cadre, les méandres de la Smois, le paysage, les habitants, la sympathie et tout ça. C'est vraiment un village assez soudé. Parce que mon mari provient d'ici et il aime vraiment bien Chigny, il a voulu revenir ici. Mais c'est une longue histoire, parce qu'en réalité, ça commence à l'époque de mes parents et de mes beaux-parents. Et ce sont mes beaux-parents qui ont construit cette maison dans les années 60. Et ils en ont fait une maison de campagne, et maintenant mes beaux-parents, un est décédé, l'autre vit à Bruxelles. Et alors, on s'occupe de la maison, c'est presque une tradition familiale. Mais ils aimaient beaucoup le coin. Et il se fait que ma mère venait aussi en vacances à Chigny quand elle était jeune, parce que Chigny était vraiment un lieu touristique très attrayant. Il y avait des hôtels, il y avait beaucoup de monde en été. Et voilà. On n'a pas décidé, on est né à Chigny, on a aimé la région, on a continué à vivre ici et voilà. Quand tu étais pré-pensionné, nous sommes revenus à Chigny. Voilà. On a vécu 40 ans en Verse. Pour trouver le calme. C'est un peu nos origines. On était à Bruxelles, en plus, oui, c'était. Nous, on provient de la Gaume. Oui. Moi, je proviens de la Gaume. J'ai toujours habité Chigny. Donc, je suis née à Chigny et j'ai déménagé 3 fois et toujours à Chigny. Ben, c'est mes parents qui ont décidé, parce que quand j'étais petite, ben, je ne savais pas, je n'ai pas choisi. Parce que j'avais mon grand-père qui habitait à Chigny. Et avec mon mari, nous avons acheté une maison ici. Ben, ça fait quelques années que je venais en vacances ici, et puis j'ai rencontré mon futur mari, qui lui est tombé encore plus amoureux que moi de Chigny, et puis qui s'est dit, bon, on va acheter une maison ici. Parce que ma maman était de Chigny et que nous avions une maison à Chigny. J'y suis née. Eh bien, parce que je suis originaire de Saint-Mars et que j'ai travaillé 40 ans à Bruxelles, et j'étais très content d'être retraité pour revenir à mes racines et à une vie plus calme et plus sereine. C'est un beau village. Mais parce que c'est une seconde résidence pour moi, j'ai passé toute ma vie au Grand-Duché de Luxembourg et maintenant j'ai pris ma pension ici.
Parce que j'y ai toujours vécu. Ben parce que mon épouse est de Chigny. Alors elle a voulu revenir à Chigny. Parce que ça va de soi. Mais oui, je dois regarder la caméra, on peut recommencer. Parce que ça va de soi. Je suis à Chigny depuis maintenant 57 années. C'est la 57e année que je viens à Chigny. J'ai connu la maison de Chigny à l'époque de la maison de vacances des Tubes de la Meuse. Tout au début des Tubes de la Meuse. Alors je suis venu, j'étais déjà venu pêcher une fois ou deux avant, mais disons depuis, et j'adore la région parce que c'est extraordinaire. Vous faites une promenade sur la rivière, l'année suivante vous refaites la même promenade, c'est plus la même. La forêt change tellement, c'est tellement beau, c'est tellement calme. Moi je vais pêcher en forêt tout seul, la pêche. C'est ma grande passion, quoi. Parce que je suis née à Chigny, moi. Je suis née en 1940. Parce que le cadre me plaisait, c'est un beau village encaissé dans la forêt, et voilà, c'est un cadre agréable. Eh bien, parce que d'abord il y a des liens, ça c'est une chose, je connais bien le coin, et puis j'ai quitté Bruxelles parce que c'est une ville qui s'est malheureusement transformée dans le mauvais sens, et qui est devenue, disons, pour moi désagréable à vivre. Et que disons que c'est les dernières années qu'on a, on retourne vers le calme et la nature, etc., plutôt que de rester dans une grande ville. Ah, mais parce que j'ai toujours aimé Chigny, j'y suis née, je suis née dans la maison même de mes parents. Ça fait 65 ans que j'y vis. Drôle de question. Parce que j'ai rencontré l'amour de ma vie, peut-être. Ah, ça c'est une très longue histoire. En fait, j'ai habité l'étranger pendant quelques années. Je m'étais toujours dit que si je devais revenir, ça serait dans ma région. Et voilà, c'est fait. Ben, je suis arrivé ici par hasard. J'ai connu ma femme et je suis venu habiter dans sa maison. Ben, c'est surtout ma maman qui a décidé pour moi, vu que je n'étais pas encore née quand ils ont emménagé. Mais je pense que c'est parce que ma maman adorait le quartier, vu qu'elle y est née aussi. Il y a déjà quelques années, je suis tombée amoureuse de la région. Mais nous venons tous les vacances à Chigny. Parce que mes parents habitent là depuis je sais pas combien de temps. Parce que je suis née à Chigny. Mes parents habitaient Chigny et voilà, ils tenaient une boulangerie et je suis restée à Chigny. Ah ben je suis née ici, hein, avec mon épouse. Nous sommes nés à Chigny, tous les deux. Adrienne Echemin était de la rue Haute. Elle est née en 1920, le 13 mai. Et moi, je suis née le 29 mai 1925. Parce que on aimait bien le pays. Mon mari est de Chigny et il avait son travail pas tellement loin d'ici, quoi. Quand j'étais jeune, j'ai porté le pain dans tout le village. Quand c'était encore le village, qu'il y avait peu d'étrangers. Oh, le plus marquant, ce que je vais dire. Les gens sont joviales, les gens se parlent d'un à l'autre. Tout le monde se parle, tout le monde profite de la ville de Chigny, et voilà. Le festival du conte Le conte Chigny. Oh. Le camping. C'est là où j'ai découvert Chigny. La première fois que j'ai mis les pieds à Chigny, c'était pour venir au camping. J'ai passé 4 jours et je suis tombée amoureuse. J'avais toujours dit à l'époque, je reviendrai vivre à Chigny. Et ça s'est fait comme ça. Le festival du conte et la fête à Chigny, parce que même si ça a un peu diminué en fonction de la grandeur et de l'amusement, c'est toujours quelque chose qui revient chaque année, c'est très amusant. Oh ben, le plus... Bonne question. Waouh. Je ne sais vraiment pas. Aucune idée. Ça, c'est une très bonne question. Oh. Ben, écoute, honnêtement, je ne saurais pas te répondre, parce que c'est vrai que, comme tu peux voir, c'est vraiment un coin reculé de Chigny. Et je ne suis pas trop investie dans le village. Le millénaire de Chigny pour moi, en 1980. C'était,
C'était une grande fête. Nous avons reçu le roi et la reine, mais qui étaient les anciens, le roi Baudouin et la reine Fabiola. Et il y avait des grandes festivités tout au long de l'année. Ça a fait connaître en plus Chigny, parce que Chigny est une ville. Maintenant, la deuxième plus petite ville de Belgique par son histoire. C'était avant la première, mais depuis la fusion des communes, c'est la deuxième plus petite ville de Belgique par l'histoire des comtes de Chigny, du comté et des comtes de Chigny, parce que dans le temps, il y a eu des comtes à Chigny. Le millénaire de Chigny. Que s'est-il passé? Il y a eu un grand cortège folklorique, il y a eu la venue du roi Baudouin et la reine Fabiola. Et bon, millénaire, c'est une date historique, hein. Oui, enfin, notamment avec le festival qui vient de se terminer, pour lequel je travaille comme bénévole. Et donc, voilà, c'est un moment de l'année qui est fort important et qui permet de rencontrer tous les gens du village. Ah, le souvenir le plus marquant, ce fut quand on a fait le 1000e anniversaire de la ville de Chigny, en même temps que le 1000e anniversaire de la ville de Liège. Et d'ailleurs encore avoir un très grand drapeau de ça. Aussi grand qu'un drap de lit, d'ailleurs. J'en ai pas qu'un, j'en ai plein. Mais pouvez-vous nous en dire un? Le millénaire de Chigny. Que s'est-il passé? Donc, on a fêté le millénaire de Chigny en 1980, et il y a eu l'avenue du roi Baudouin, notamment. Ça m'a beaucoup marqué. On avait installé donc un arc de triomphe à l'entrée de Chigny. Et puis, il y a eu un défilé folklorique dans Chigny, notamment. C'était ça qui m'a marqué beaucoup. C'est la kermesse, le millénaire, et puis les descentes en barque. C'est ça le plus intéressant en Chigny. Hein. Oh, il n'y en a pas. Quelle est... Hein? Oui, belle année du millénaire, peut-être. Oui. Ben, je pense que... Nous avons, ça vient juste de se passer, les comtes. C'est un événement qui, maintenant, date déjà depuis de nombreuses années, je pense 24 ans. Et ça me plaît beaucoup. Je sais pas. Le festival du comte. Dans le village, rien de particulier. Peut-être l'aménagement territorial du village et les différentes manifestations culturelles qui s'y déroulent. Il y a beaucoup de choses. Hein. Cites-en une. Hein? Cites-en une. L'année du millénaire. Que s'est-il passé? Oh, de tout. Toutes sortes de festivités. Le roi et la reine sont venus. Le roi Baudouin et la reine Fabiola sont venus faire la promenade à Chigny jusqu'au moulin Cambier. C'est l'année du millénaire, va, en 1980, quand ils ont fêté le millénaire de la ville de Chigny. Oh, le souvenir le plus marquant. Notre mariage, oui, on peut. Oui, notre mariage, c'est vrai. Oui, notre mariage. Voilà, si, le festival des contes et voilà. Oui, le millénaire. Que s'est-il passé? C'était les danses folkloriques, de l'animation tout le temps dans Chigny, beaucoup, beaucoup de monde, ce que malheureusement nous n'avons plus maintenant. Ah, le plus marquant du village. Je crois que ça a été, je pense, le 8e centenaire de la naissance de Chigny. Hein? Je crois que c'est ça. En 1980. Le millénaire, voilà. C'est pas ça. Le millénaire de Chigny, en 1980, alors il y avait Chigny en fête. Il y avait des tas de manifestations folkloriques ici, dans la ville, parce que c'était une ville, hein, elle était décrétée ville. Venu avec la reine. Moi, je pense un petit peu à notre arrivée, parce qu'en fait, à l'ouverture du commerce, on a eu la chance que le syndicat d'initiative organise un verre de l'amitié et un verre de bienvenue avec tous les villageois. Et donc, au premier jour d'ouverture du magasin, on avait entre 150 et 200 personnes ici pour nous souhaiter la bienvenue, voir qui on était, et voilà, et nous apprendre à les connaître. Ça, c'était très marquant. Le souvenir le plus marquant dans Chigny? Alors, je réfléchis deux minutes. Les moments passés au Festival du Comte. Les moments auprès de la buvette. Oh, il y en a beaucoup, bien entendu.
Je trouve qu'une des richesses du village, c'est la beauté de ses promenades, beauté de ses forêts, des paysages. Voilà, c'est déjà, et puis la gentillesse des gens, bien entendu, mais ça, c'est un peu partout. Ça, je ne saurais pas dire ça. Non, je ne saurais pas dire. C'est pas répondre. Oui, souvenirs qui n'existent plus d'ailleurs, ce sont les barques Chini la cuisine. Oh, fou, ça c'est une bonne question. La fête à Chini avec le jugement de la môme à la vie, quand on la brûle pour conjurer le mauvais sort. Oh, les amis que j'ai, ça c'est important. Bah, un souvenir qui m'a marqué, moi j'en ai eu plusieurs, parce qu'en 1960, j'exposais déjà au syndicat d'initiative, donc c'est pas récent, hein. Mais un souvenir qui m'a marqué, vous dire quoi, c'est que nous avions une belle fontaine, par exemple, à Chini, et on l'a abattue pour la visite du roi, pour la remplacer par ce qu'il y a maintenant. Alors que ça aurait dû être une fontaine classée. Bon, ça c'est déjà ça. La plus grosse bêtise que j'ai faite depuis mon enfant. Aller à la maraude aux pommes. On faisait ça, nous, quand on était gamin. On allait à la maraude. On disait à la maraude. Bah, c'était un jeu, quoi, finalement. On allait cueillir des pommes dans les vergers, mais on masse, là, il n'y en a plus, alors. Bon, mais c'est pas des bêtises, ça. Plus grosse bêtise. C'est il y a 57 ans quand je me suis marié. Faites attention en le disant quand même, parce que si ma femme écoute ça, c'est pas vrai, hein. Puisque je suis encore là, alors, hein. D'enfance, pas, mais avant 3 ans, j'ai eu un grave accident dans les bois de Chini. Mon pied était sur 2 places craqué, quoi. Donc ça, c'est une bête souvenir que j'avais. Et c'était avant 3 ans. Et voilà, mais de nouveau à Chini. Et j'habite déjà presque 2 ans ici. D'enfance, j'ai démarré une grue. Je ne vous la dirai pas. Oh là là. Alors, effectivement, je viens depuis mon enfance à Chini et j'ai fait des tas de bêtises, oui, mais je ne vais pas vous les dire parce qu'on me connaît trop et il pourrait y avoir des répercussions. De mon enfance? Oui. Oh, moi, je n'en connais pas. Je n'en ai pas. Oui, oui, comme tu dis. Non. Oh, il ne faudrait même pas dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne saurais pas. Je n'ai pas eu de grande bêtise qui m'a valu de... Oh, je crois qu'une fois que j'allais chercher les timbres de ravitaillement pendant la guerre, je les avais perdus en repassant dans le ruisseau pour m'amuser. Et c'est bien que j'avais été puni assez sévèrement, les timbres de ravitaillement. Là. Plus grande bêtise que j'ai fait à Chini. Aller pêcher dans un étang sans autorisation, je crois. Je crois que c'est d'avoir jeté tous mes jouets par la fenêtre. Alors, moi, je pense qu'une fois, j'ai dû faire un gros mensonge à ma maman. Et elle a eu du mal à s'en remettre. J'ai dû regagner sa confiance avec beaucoup de temps. Je crois que c'est ça ma plus grosse bêtise, avoir menti à mes parents. Oui, 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 oui. La plus grosse bêtise d'enfance. Je veux dire, comme tout enfant, dans le temps, bien souvent, ce qu'on faisait, on allait sonner aux portes. Et puis, on se sauvait. Mais nous, on pigmentait un petit peu tout ça, on mettait des petits caca de chien dans un journal, on faisait une petite boule et puis on mettait le feu juste devant les marches et puis on allumait, on sonnait, puis quand les gens arrivaient, ouvraient la porte, voyaient les petites flammes et puis écrasaient ça avec leurs pieds. Oh, j'étais une fille sage. je sais pas répondre à ça. Non, je crois que j'ai fait beaucoup de bêtises, mais je crois que je n'en ai pas fait de grosses. Donc, je m'abstiens sur ce point-là. Des grosses bêtises. Moi, je me rappelle d'avoir eu une correction de ma mère. J'étais tout petit, hein, j'avais pas 5 ans. Hein. J'avais été chipoté autour des moyeux des vieilles charrettes. C'était enduit
avec de la graisse très brune, très sale, pour faire tourner les roues, que c'était bien huilé, bien graissé. Et je m'en étais mis du haut en bas. Alors là, j'avais reçu une correction magistrale de ma maman, qui est décédée un peu après. Voilà, c'est ma plus grosse bêtise de jeune. Moi, je suis montée sur le toit de mes grands-parents. Je suis montée sur les arbres, je montais partout, moi. J'allais m'asseoir près de la cheminée, au-dessus bien. Bon. Et beaucoup, beaucoup de bêtises. C'est-à-dire que quand on est jeune, on en fait beaucoup sans s'en rendre compte. Oui, d'avoir acheté dans ma sœur et d'avoir aussi couru dans les escaliers et d'être tombé. Alors là, je ne peux pas vous dire, je ne vois pas du tout. Non, je ne vois pas, je ne peux pas vous répondre à ça. Non, non, je ne vois pas, je n'ai pas fait de bêtises, je ne pense pas. Ouf, qu'est-ce que je pourrais bien dire. D'avoir fait sauter un petit sapin de Noël dans un magasin. J'ai mis les fils là où il ne fallait pas et le petit sapin a sauté, j'ai dû le payer de ma poche. Je sais pas. Tu sais, on n'avait pas beaucoup le temps de faire de bêtises, on travaillait, c'est pas comme maintenant. C'était d'une ferme chez moi et j'étais fille unique, donc on avait besoin de mes deux bras. Je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de faire de bêtises. Sauf une fois que j'étais partie nager et que j'avais pris presque toute la garde-robe pour me changer. Voilà. Oh ben ça, c'est pas. C'est pas. Comme toi, va. Oh là là, si je dois remonter à mon enfance, je ne sais pas moi, t'es un peu... La maraude peut-être. On aimait bien aller chiper des poires, des pommes dans les propriétés de certains cultivateurs ou qui avaient des arbres fruitiers. Appuyer sur l'accélérateur de la voiture. Ben, un petit souvenir que j'ai évoqué maintenant, justement, voilà une semaine. Ben, comme les petits garnements, aller sonner aux portes. Et puis vite sans courir. Voilà. C'est d'avoir mis ma moto sur le parapet du pont et d'avoir traversé. Que s'est-il passé? Ben rien, mais j'aurais pu me tuer, j'aurais pu tomber à l'eau. Cette sauter d'une vieille maison par terre et d'avoir un clou d'enfoncé dans le pied. J'avais 12 ans. C'est difficile de les classer. Comme on a du mal à donner une hiérarchie, on a du mal à en donner une, mais je crois que la plus grosse bêtise, c'est de ne pas en avoir assez profité. Aïe, 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 on en a fait pas mal. J'ai 84 ans, donc, n'est-ce pas, on a 84 ans, et on en fait toujours des bêtises. Là, moi, j'ai vécu la guerre de 40, j'avais 11 ans. Ben, on allait dans les champs, on allait voler des pommes de terre aux fermiers parce que on avait la famine, c'était là, on était vraiment mal nourris en 40. Les gens qui habitaient la campagne, ça allait. Ils parvenaient encore à trouver chez les fermiers, mais nous, on ne trouvait rien. La plus grosse bêtise. Oh là là. Oh. Qu'est-ce que je vais dire? Je n'oserais pas. La plus grosse bêtise, il faut répondre. Ah ben, une fois, j'avais à peu près 15 ans, va. Et avec une copine, on est parti par la fenêtre arrière de la maison pour aller au bal. Oh mon Dieu, la plus grosse. Alors là, il faudrait que je ressorte quelques kilos de souvenirs. La plus grosse. Alors là, comme ça, c'est difficile. C'est difficile. Ah, ça ne me vient pas comme ça, mais des centaines. Oh, la plus grosse. Bon, il y aura du. Ça sera coupé, je suppose, mais là, il faut que je réfléchisse. J'en ai fait tellement des bêtises. La plus grosse. Mon enfance, la plus grosse bêtise. Ça, c'est beaucoup me demander.
une grosse bêtise, pas, mais le meilleur souvenir que j'ai, c'était à Gérouville chez mes grands-parents. Ma grand-mère était occupée de repeindre une porte de chênevière, donc un terrain où il y avait un verger. Et il y avait des oies qui revenaient de Lîmes et qui allaient vers Gérouville. Et il y avait un verger, et donc dans ce verger, il y avait un poirier avec des petites poires. Et alors, je ramassais des petites poires, je les mangeais, et les oies étaient près de moi. Et je lançais mon trognon en l'air. J'ai mangé 3 poires, et c'est chaque fois la même oie qui a mangé le trognon et qui m'a donné un œuf. Et ça, pour moi, c'est resté quelque chose d'incroyable. Alors, j'étais tellement contente que j'ai crié, « Oh, regarde, ça, ma grand-mère, regarde, je dis, l'oie m'a donné un œuf. » Elle dit, « Maintenant, t'as tellement crié que tu peux aller le porter, parce que les oies appartenaient à une dame qui habitait un peu plus loin. » Et je suis arrivée avec mon œuf chez la dame, je dis, « Madame, je dis, j'ai donné mes trognons à l'oie, et alors elle m'a donné un œuf pour qu'elle comprenne que je reçois un œuf. » Et elle a dit, « C'est pour toi, ma petite fille, tu reçois l'œuf. » Et ça, c'était quelque chose pour un gosse qui est resté vraiment un souvenir de campagne, mais qui est... Oh, la plus grosse bêtise. Je m'en souviens plus, j'en ai fait beaucoup, je crois. Je saurais vraiment plus dire. Ouf! Très bonne question. Ah. Oh là là, ça c'est la colle, ça. C'est la colle. Oui, peut-être me faufiler par la fenêtre parce que mes parents m'avaient interdit de sortir. Oui, je pense que ça serait la plus grosse bêtise. Êtes-vous gourmand? Avec la grosse engueulade à la fin. Je te le conseille pas. Ma plus grosse bêtise. J'en ai fait tellement. La plus grosse bêtise que j'ai faite pendant mon enfance. Me faire renvoyer de l'école, va, sûrement. Je crois que c'est d'avoir couru dans les escaliers pour échapper à ma petite sœur et de m'être un peu cassé la figure et je me suis ouvert le crâne, donc direction chez le médecin. Ouf, j'ai coupé les cheveux de mon petit frère. Je m'en souviendrai toujours parce que je me suis fait disputer par mes parents. Donc, j'allais sonner aux portes, puis je me barrais en courant. J'ai pas fait tellement de bêtises. Hein. Une dont vous vous souvenez. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Une bêtise, c'est d'aller glisser sur la glace au pont Saint-Nicolas à l'Embarcadère. Ça, c'était une bêtise, mais bon, c'est passé quand même. Quand je portais des œufs chez ma grand-mère, je balançais des œufs dans un petit panier. Et une fois les 6 par terre, et une deuxième fois les 12 par terre. Alors, moi, je n'ai pas eu de tarte ces jours-là, puisqu'on portait les œufs pour faire la tarte. Que j'ai faite? La grosse bêtise. Oh, j'en ai fait, mais je sais déjà pas à quoi. Non, tout le monde en fait, de toute façon. Autour. L'Embarcadère, le rocher du Ha, derrière chez nous, c'est la forêt, alors on va promener là. C'est ici dedans quand que je suis seule et qu'il n'y a personne qui est là, quoi. Ah ben moi ici, j'aime bien ici mon coin, la chapelle, les alentours de la chapelle, voilà, l'église. Hein? Moi, voilà. Ben, j'aime bien ici le point de vue. Et le pont Saint-Nicolas. Oh, ben Chigny est beau partout. Chigny est beau au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il est beau de tous les côtés, des 4 côtés. Moi, j'aime bien le pont Saint-Nicolas. Je pense que c'est ma chambre, j'y suis pratiquement tout le temps et parce que je m'y sens bien, c'est un peu dans mon univers et voilà. Autrement, il n'y a pas un endroit de promenade ou quelque chose? Ben, on va souvent promener à Diffos et j'aime bien cet endroit parce qu'il y a des chevaux et c'est mes animaux préférés.
Oh ben j'aime beaucoup ma maison et j'aime beaucoup mon quartier parce que tous les gens ils sont bien sympathiques. Voilà. L'endroit où j'habite, bordure de Semois, calme, tranquillité, on est en vacances toute l'année. L'endroit préféré, tous les endroits dans la forêt, parce qu'il y a énormément de forêts à Chigny, de belles promenades. Et bon, il y a quand même des choses très belles. Il y a le pont Saint-Nicolas, il y avait malheureusement ce qui n'existe plus, la descente en barque, qu'on faisait, où on voyait les beaux coins de la descente en barque. C'était vraiment les coins de Chigny un peu spéciaux. Eh bien oui, donc le pont Saint-Nicolas, mais bon, il y a beaucoup de beaux endroits. L'embarcadère, c'est bien aussi. Bon, la forêt en général est très belle, hein, partout. Probablement le point de vue qui se trouve après le pont Saint-Nicolas, là, au-dessus de la côte. Voilà, celui-là. Un endroit bien calme, le rocher d'Ia et l'embarcadère. Ah, écoutez, mon endroit et mon morceau le plus favori à Chigny, c'est entre le chalet canadien et le rocher du Haut. Il y a des paysages extraordinaires. J'y ai beaucoup pêché, j'y allais pêcher tout le temps. Maintenant, je ne sais plus y aller parce que j'ai un problème de jambes. Alors, je suis devenu beaucoup plus riverain ici, vraiment, dans les alentours, quoi. Sinon, je ne sais plus aller pêcher où j'allais pêcher. Sinon, je partais pêcher à midi, je rentrais à 11h du soir. Oui, je suis venu ici. J'habite ici. La maison, je l'ai rachetée en 74, 75. C'est la maison de la vieille Ida. C'était d'ailleurs la dernière roteuse du village. C'est pourquoi j'ai appelé ma maison la rote. Je pense que c'est l'église. C'est quoi l'église? Le clocher. Et les maisons qui entourent. La place, donc l'usoir avec le chauffe-four et tout. L'endroit préféré du village? Ben c'est la Semois ou bien dans mon jardin. Mais une promenade que j'aime beaucoup faire, c'est la promenade, ce que j'appelle la promenade de l'écureuil. C'est une des plus belles. Des plus beaux points de vue qu'il y a ici autour. Dans les bois? Bah, je ne vais pas dire là où j'habite, parce que c'est vrai qu'on a l'avantage d'être en même temps tout près du village et en même temps à l'extérieur, tout près des bois, tout près des animaux, donc un endroit relativement calme. Mon quartier. Pourquoi? Parce que je m'y plais. Le long de la Semois. Entre l'embarcadère et le débarcadère. Ici, cette rue-là, la rue des Petits Liris. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, c'est une petite rue tranquille. Et puis nous avons la petite chapelle qui est un peu plus loin, qui est très jolie. C'est une rue calme, voilà, pour ça. C'est uniquement pour ça. Le pont Saint-Nicolas, parce que il y a une belle vue et l'église, enfin, extérieur de l'église, parce qu'il y a... Il y a des beaux bâtiments. Un endroit préféré? Non, je n'ai pas. J'aime tout simplement le village de Chigny. Oh ben, le centre, je vais dire, près de l'église, elle est belle. Oui, près de l'église. Et puis la chapelle à la sortie, le pont Saint-Nicolas. On est bien ici aussi, on est un peu à la campagne, et puis en même temps, on est proche de la France, et on en a quand même un sentiment malgré soi, et... Je sais pas, moi je me plais bien ici à Chigny. Ben je pense que c'est le pont Saint-Nicolas. Hein. C'est un très beau paysage. Dans le village ou à l'extérieur? Autour ou dans le village. Oui, je pense que c'est le pont Saint-Nicolas avec la Semois qui coule en dessous et la chapelle qui est au-dessus. Le moulin, c'est un très très beau paysage et j'ai toujours pensé que c'était celui que je préférais à Chigny. Le village, moi ce que j'aime dans le village, c'est l'église. La mairie et le petit monument aux morts. Je trouve que cette place est vraiment merveilleuse. Et je vous signale qu'elle a été peinte par Mickey Boyadjan, qui est un peintre naïf, assez connu. Et j'ai un tableau de Mickey représentant le centre du village. Pour moi, c'est vraiment le cœur
de fini. Bah, c'est tous les alentours, les bois, tout ça, la rivière. Pourquoi ? La nature, parce que j'aime bien la nature. Alors, les endroits que je préfère, déjà ici, chez moi, et le deuxième endroit, c'est le rocher du Vin, qui est très paisible. Et là, je vais sonner de temps en temps de la trompe de chasse. Et voilà. Bon, c'est la roche du Corbeau. Dur à dire. Je ne saurais pas choisir un endroit spécifique parce que j'aime autant le village que tout l'environnement qui est aux alentours, la forêt, donc pas d'endroit privilégié. Tout. Endroit. Le point de vue, je pense. Ouais. Pourquoi ? On a une bonne vue. Ben, la promenade que je préfère, c'est celle qui longe l'Assemois, depuis le moulin Cambier jusqu'à l'embarcadère. Là. Voilà. Ah ben moi, c'est chimie, moi, c'est le fort. C'est la rue du fort que je préfère. Alors, dans le village, eh bien, c'est mon quartier, le quartier de la Chapelle, le quartier du Liry, du Petit Liry. J'aime également Courbea, j'aime l'embarcadère, pas trop la plage, mais parce qu'il y a beaucoup trop de monde et je suis un solitaire. Ici, c'était vraiment le quartier où je trouvais qu'on était en bord de Semois, un peu à l'écart, et donc je suis très content d'avoir choisi de m'installer à Lannou. La maison du pain, là, c'est bien ça, ici à Chigny. Eh bien, où j'habite, j'aime très fort cette petite maison. En fait, c'est pas si petit qu'on pense, mais j'aime bien être dans cette maison. Merci. Je connais pas un endroit où j'habite. J'aimerais mieux habiter. Je suis bien dans cette maison. Je ne peux pas dire autrement. Ce que j'aime beaucoup, c'est les environs du pont Saint-Nicolas, du moulin Cambier, quoi. J'aime bien ce coin-là, parce que si vous allez prendre un verre là, à la terrasse, vous êtes dans un cadre unique. Hein. Le pont Saint-Nicolas est devant vous, il y a l'Assemois devant vous, et s'il fait bon, c'est super. Je trouve que chez Nice, c'est beau. Écoutez, je vais vous dire, ça tombe bien ce que vous me posez comme question là, parce que dans le Gletton d'il y a un mois, il y a un artiste de Jamoigne qui s'appelle Jean-Claude Servet, qui n'a pas dit beaucoup de bien des Ardennais. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que les Ardennais lui ont fait. Moi je suis en Gaume, et depuis que je suis en Gaume, je m'y plais bien, je n'ai rien contre les Gaumais, rien du tout, la preuve. Il y a 57 ans que je vis avec la même. Hein? La différence, c'est que l'Ardennais est plus, comment dirais-je, il a plus envie de faire ce qu'il a envie de faire. Et il est beaucoup plus volontaire que le Gaumais. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est ce que j'ai pu constater. Le Gaumais, lui, par exemple... Il va discuter longtemps pour savoir si. Et il a une drôle d'habitude. Il a l'art de parler aux gens pour savoir la vérité, pour leur tirer les vers du nez. Si, c'est vrai, hein, j'avais remarqué ça. Mais ils sont très astucieux. Hein, ils demandent ça très, très délicatement. Et on tombe dans le panneau quoi, quand on a quelque chose à dire. L'Ardennais, il est quand même un peu plus, comment dirais-je, plus dur au point de vue caractère, plus volontaire, plus, je dirais même plus travailleur. C'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est une comparaison que je fais. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, je peux commencer à 7h au jardin, terminer à 6h, hein. C'est ça. Et plus ça, plus la peinture, plus la poterie, plus les conférences. Hein. Bon, bah, mais à part ça, je trouve que ça fait une bonne fusion. Bon. Moi, j'ai une fille qui est à moitié gaumaise, à moitié ardennaise. Elle est quand même plus ardennaise que gaumaise. Moi, je suis une pure gaumaise. Oui, il y a une différence de caractère. Je suis gaumais d'origine.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences. Je pense que c'est surtout des préjugés par rapport à ce que pensent les gens. On dit que le Gaumais a un accueil très chaleureux et que l'Ardennais est plus froid au départ, mais que quand on le connaît bien, il est tout aussi chaleureux. Donc je ne prendrai pas position. Ah non, il n'y en a aucune. Je suis maintenant chinois, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'étais bruxellois avant. Et que ce soit la Gaume ou les Ardennes, c'est pareil. De toute façon, on est à la limite, je pense. Alors ça, j'en sais rien. Je n'ai jamais su comprendre, moi. Tu sais, la Gaume et l'Ardennes... C'est pareil, alors. Et ce serait plutôt la Gaume, là, je crois. Moi, c'est pour qu'il sait, moi, je ne sais pas. Oui, ben, disons que je suis né en Ardennes, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie en Gaume. Donc, j'ai vu un peu qu'il y avait une différence. Oui. C'est difficile à dire, c'est bien. Les Gaumais sont assez chauvins, ils ont l'impression qu'ils valent mieux que les Ardennais. Hein. Mais enfin, moi je ne vois pas tellement de différence. Non, pas tellement, à part que voilà, l'Ardenne il fait plus froid. Je ne suis ni l'un ni l'autre, et la différence j'aurais bien du mal à vous la donner, aucune idée. En devenir Gaumaise, mais bon, ça fait que 3 ans que je suis là, et quant à la différence, j'aurais du mal à en parler aussi. Alors, la différence, c'est, je me sens d'abord Gaumais, de pure souche donc, et en même temps, je vais dire au niveau caractère, je vais dire peut-être un peu plus Ardennais, parce que je vais dire les Ardennais ont un bon gros caractère, et voilà, je me situe un petit peu entre les deux. Je suis Gaumais. Y a-t-il une différence pour vous ? Bon, je ne pense pas, parce que j'ai des amis Ardennais et... Pour moi, c'est pareil. Eh bien, je dois vous dire que moi, je ne suis ni gaumaise, ni ardennaise, ni bruxelloise. Je suis européenne, en quelque sorte, parce que j'ai des grands-parents qui sont nés en Flandre, des grands-parents qui sont nés dans les Ardennes. J'ai un grand-père qui venait aussi par sa famille du Luxembourg. Et moi-même, je suis née en Italie. Mes parents ayant été là-bas, et donc je me sens bien partout, en fait. Je pense qu'on a les qualités des deux régions et qu'on n'a aucun défaut des deux. En fait, je pense que nous sommes Ardennais, nous ne sommes pas Gaumais. La limite entre, qui est très floue entre l'Ardenne et la Gaume se situe, je pense, à l'entrée du village. Donc nous sommes ici en Ardenne. Géologiquement, je pense que ça justifie très fort. Mais nous n'avons aucun défaut des deux régions, hein, ça c'est sûr. Nous sommes gentils comme tout. Nous n'avons que des qualités. Très peu. Ben, moi je suis fier d'être Gaumais, mais j'aime bien l'Ardenne parce que de toute façon, nous, on est moitié Ardennais, moitié Gaumais. Tout ça dépend un peu du village où on habite. Hein. Mon mari. Je ne sais pas si je peux vous renseigner, mais. Sa maman était française. Oui, maman était parisienne normalement. Mais tout ça, ça n'a pas beaucoup à voir. Vous savez, ici, les limites, ça, c'est parfois drôle. Hein. Moi, j'habite dans un village, c'est la Gaume. N'allez pas dire à un Gaumais qu'il est Ardennais. Peut-être que c'est la même chose du côté Ardennais. Mais d'un autre côté, vous avez Gaumais, Ardennais. On se marie, on s'unit, on a les enfants qui, eux, voyagent un peu partout. Je suis Gaumaise. La différence, c'est le fait de travailler beaucoup en Ardennes. Je trouve que les Ardennais sont... Des gens fort têtus. Ben, Gaumais, il n'y a pas de différence. Ici, on est Gaumais, parce qu'au début, quand je suis arrivée et que je disais « Ah, j'adore venir dans les Ardennes », je me faisais fusiller du regard et on nous a dit « Ici, on est en Gaume, pas en Ardennes ». Donc, je suis Gaumais. C'est la même chose. Hein. Je suis les deux. Mon papa était Ardennais, ma maman était Gaumais. C'est pareil, je parle bien les deux, pas toi. Parle bien le patois, Ardennais, encore le Gaumais. Je ne sais pas, mais moi je suis Gaumais. Ah ben, normalement, je suis Gaumais parce que, disons qu'on a un humour au second degré que l'Ardennais n'a pas et que nous sommes peut-être un peu plus communicatifs qu'eux. Je suis Gaumais, je ne sais pas la différence. Bon, je suis ni l'un ni l'autre, je suis né à Bruxelles. Ben, la différence, il y a une différence de caractère, effectivement. Le Gaumais est plus doux, le,
l'Ardennais, ils ont la tête plus dure. Voilà. Il n'y a pas de différence. Mais je suis gourmet, mais il n'y a pas de différence. Bon, moi je suis gourmet, hein. J'habite à Villers de Ventorval. Et ici on est entre Ardennes et Gaume. Hein. Pour Saint-Nicolas c'est Ardennes, ici c'est Gaume. Donc, les deux quoi. Mais on est gourmet. Donc c'est. Le dialecte change, la façon d'aborder les gens change. Donc, c'est la frontière linguistique un peu, là, ce mois. Et ça, si vous allez à Sucy, vous verrez tout de suite que ce n'est pas la même chose. Quoi. Ah, moi, je suis de parents ardennais et je suis gaumaise parce que j'ai toujours habité Chigny. Et la différence, il paraît que les ardennais sont plus têtus. Indéniablement gommé, c'est sûr et certain, gommé. Bon, de différence, il n'y en a pas vraiment, mais voilà, quand on est gommé, on l'est dans l'âme, on l'est dans le cœur, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les Ardennais, hein. On les aime bien aussi. Hein. Mais un gommé, c'est un gommé, voilà, ça ne se discute pas, voilà, c'est dans les tripes, c'est dans le sang, ça. Oui, 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 il y a une différence entre l'Ardennais et le gommé, physiquement. Au niveau, d'abord, les gommets en général sont assez grands, sont des gros cultivateurs avec des grosses fermes, des beaux terrains agricoles, tandis que l'Ardennais est plus trapu. Et bon, il vit quoi, du bûcheronnage, de la forêt. Les maisons sont en schiste, tandis qu'en Gaume, les maisons sont en pierre du pays. Et puis je crois que le caractère est aussi un peu différent. Hein. Ben, je suis une pure gaumaise, mais l'Ardenne n'est pas loin. Elle est de l'autre côté du pont Saint-Nicolas. D'ailleurs, ça se voit par le sol. Mais les gaumais sont plus têtus. Il paraît que les Ardennais sont plus têtus. Les gaumais sont plus accueillants, paraît-il. Voilà. La différence, c'est la mentalité. Mais en fait, moi, je suis originaire d'Attu. Mes grands-parents sont originaires de Rossignol. Et... Comment, pour moi, je trouve que quand on dit gourmet, ardennais, c'est vrai qu'on est peut-être plus joyeux par ici, on a peut-être un caractère moins dur. Ça n'engage que moi. Donc, voilà. Ah, moi, je suis un vrai gourmet de Virton. Et la différence, que les gourmets sont quand même beaucoup plus cool que les ardennais, moins durs. Je pense que je suis gourmet, c'est l'indifférent, je ne sais pas. Tout le monde dit que les ardennais sont plus têtus. Maintenant, je n'ai jamais vraiment vu de différence, moi. Alors là, parce que bon, je suis d'origine française, j'ai pris la nationalité belge, mais maintenant, la différence entre les deux, je ne saurais pas dire. Ben, je suis gourmet. Et il n'y a pas de différence. Maman, il fait ardennais. Ma maman, hein. Oui. Ma maman permet... Il fait ardennais, puisque ma grand-mère était venue des Ardennes, du pays de Tronle, près de Flamir, je crois. Elle s'appelait Marie Perrault. Elle avait épousé un monsieur beaucoup plus âgé qu'elle, Élisée Bechou. Et tous les Bechou sont, une grande partie sont de notre famille. Par ma maman, donc. Je suis ardennaise, j'ai marié un gourmet, mais l'esprit gourmet est différent, est moins dur que les Ardennes.